Mercure est la plus petite planète du système solaire et la plus proche de notre étoile. Cette proximité du Soleil rend les missions spatiales d'observation complexes. À ce jour, seules deux sondes américaines, Mariner 10 puis Messenger, ont pu l'étudier et faire des découvertes qui questionnent la communauté scientifique. De manière très surprenante, c'est une planète qui a un champ magnétique intrinsèque, donc qui a maintenu au cours des 4 milliards d'années d'évolution du système solaire une dynamo, donc un mécanisme qui permet de générer un champ magnétique autour de Mercure, tout comme on l'a sur Terre. On ne s'attendait pas du tout à voir cela lorsque les premières missions américaines ont survolé cette planète, parce qu'on pensait que Mercure ressemblait énormément à la Lune, donc un astre mort, sans tectonique, et donc sans aucune raison de maintenir une dynamo active. On a découvert, avec les missions précédentes, qu'il y avait probablement de la glace d'eau au fond des cratères polaires. Comment c'est possible? Une planète qui est aussi chaude à 430 degrés. En fait, Mercure n'est pas du tout penchée comme la Terre sur son orbite, mais elle est totalement droite. Et donc, il se trouve qu'au fond des cratères polaires, jamais aucun rayon n'arrive à toucher le fond. Et donc, il y perdure depuis des milliards d'années, il s'est accumulé depuis des milliards d'années, de la glace au fond des cratères. Ce qui nous interpelle à la surface de Mercure, c'est que sa surface est pauvre en fer. Dans le même temps, cette surface est riche en éléments volatiles, donc des éléments légers qui normalement devraient sublimer sous l'effet de la chaleur du Soleil, mais qui sont néanmoins présents. Et donc ça, les modèles de formation planétaire ne l'expliquent pas. Donc ce qu'a découvert la mission Messenger, c'est qu'il faut jeter aux orties, à la poubelle, nos modèles existants, pour en élaborer de nouveau à la lumière des futures données de la mission BepiColombo. C'est en 2000 que les agences spatiales européennes et japonaises décident conjointement de développer la mission BepiColombo. Cette mission sera composée de deux orbiteurs. MPO, de conception européenne, étudiera la surface, le sous-sol et la faible atmosphère de Mercure. L'orbiteur japonais MMO aura pour objectif principal l'étude de son champ magnétique. Mais l'envoi d'une telle mission présente des difficultés techniques majeures. La proximité du Soleil va soumettre la sonde et ses instruments à un niveau de radiation très élevé et à des températures oscillant entre moins 180 degrés côté nuit et plus 450 degrés côté jour. Ces conditions extrêmes vont nécessiter le développement de nouveaux concepts instrumentaux. Donc à l'origine, lorsqu'on a réfléchi à construire un spectromètre ultraviolet dédié à l'observation de Mercure, on a pensé évidemment à nos héritages, donc SPICAM en particulier, le spectre ultraviolet de Mars Express. On s'est très vite rendu compte que prendre le concept SPICAM pour observer l'atmosphère de Mercure était impossible, parce que justement SPICAM n'avait pas été conçu d'une part pour un environnement radiatif aussi intense, ni pour des conditions thermiques aussi dures, et enfin parce que l'atmosphère qu'on cherche à observer autour de Mercure émet une lumière qui est beaucoup moins intense que ce qu'on peut voir autour de Mars, et donc ça rend encore plus difficile l'utilisation d'un instrument comme SPICAM. Le principe d'un instrument comme Phébus est d'analyser la lumière réfléchie par l'atmosphère de Mercure afin d'en déduire sa composition. Mais là encore, la proximité du Soleil rend la surface de Mercure extrêmement lumineuse et son atmosphère quasiment invisible. L'équivalent du flux solaire réfléchi à la surface de Mercure, c'est le Soleil vu depuis la Terre. C'est aussi 1 million de fois plus intense que l'émission lumineuse provenant de l'atmosphère. Donc ce qu'on cherche à faire avec l'instrument Phébus, une des premières choses, c'est d'avoir une capacité de regarder le ciel tout en filtrant cette lumière réfléchie. C'est ce qui a été réalisé par une composante qu'on appelle le baffle, qui est un élément optique qui nous permet justement de réduire d'un facteur 1 million la lumière réfléchie depuis la surface de Mercure. Donc on arrive à extraire en quelque sorte la lumière de l'atmosphère dans un environnement qui est 1 million de fois plus intense. Sur l'ensemble de la mission et des 16 instruments qu'elle emporte, seuls 20% des développements technologiques sont issus de concepts préexistants. Alors BepiColombo, c'est une mission de planétologie nouvelle génération. C'est-à-dire que les instruments, au fur et à mesure qu'on en réalise, on les perfectionne, on les améliore. Ils ont des performances sans cesse meilleures, plus précises, un nombre plus important d'éléments de résolution spatiale, de détails, résolution spectrale. Et donc,
Dans le cas particulier de l'instrument Symbiosis, qui est un super couteau suisse de l'imagerie, qui fait de la vision panoramique, qui fait de l'imagerie hyperspectrale, et donc qui génère un flot de données extrêmement important, on arrive aux limites, finalement, de la quantité d'informations qu'on est capable de transporter d'une sonde spatiale jusqu'à la Terre, avec un simple lien de communication radio. Il a fallu imaginer des techniques pour finalement compresser les données, pour pouvoir les transmettre, en perdant le moins d'informations et si possible ne pas perdre d'informations. Alors la particularité de cet instrument, c'est d'avoir un système de compression de données en hard, codé sur une carte électronique, avec une densité de composants jamais atteint, mais qui permet de gagner un facteur 10, 15, 20 sur la quantité de données qu'on reçoit, et de pouvoir récupérer donc des images d'extrêmement bonne qualité de la surface de Mercure. L'instrument Symbiosis est en fait une suite instrumentale comprenant une caméra haute résolution, une caméra stéréo et un spectro-imageur VI développé par l'équipe du LESIA. C'est effectivement une tendance actuelle de mutualiser les ressources afin d'économiser ces mêmes ressources. Et donc, pour ces trois instruments, on va utiliser la même puissance électrique, le même ordinateur de bord, la même électronique, et donc tout cela sera mutualisé. Et dans le même temps, on va aussi miniaturiser au maximum ces instruments, et ce qu'on a gagné depuis Mars Express jusqu'à BP Colombo, c'est surtout sur l'électronique. Maintenant, des électroniques qui occupaient un grand volume, maintenant vous diminuez par 3, 4, cette même électronique. Et donc la combinaison de la miniaturisation et l'optimisation des ressources a permis, par exemple, pour Omega, qui est un instrument de 30 kg, d'avoir avec Symbiosis deux fois moins, 15 kg, mais en même temps, Symbiosis, c'est un instrument qui en comporte trois. C'est trois en un, et avec des performances beaucoup plus importantes qu'on avait sur Omega. Après 18 années de développement, la sonde BP Colombo est enfin prête et le 18 octobre 2018, elle entame son voyage vers Mercure. Il durera 7 ans. 3, 2, 1, top! Quand la fusée Ariane 5 s'est extraite de la gravité terrestre dans la nuit guyanaise, c'était une très très forte émotion. Qu'on a eu les premières confirmations que les panneaux solaires s'étaient bien déployés, ça a été un premier soulagement, mais pas un soulagement final, puisque le voyage est encore long. Il y aura tous les ans des tests des instruments pour vérifier leur bonne santé. Et je dirais que c'est seulement à l'arrivée et à l'obtention des premières données qu'on aura enfin un grand ouf de soulagement. Thank you.